YouTube! Salut YouTube! Regarde où on est. On vient de sortir de la zone, la forteresse Karja, et nous arrivons... Oh merde, on voit plus rien! Je pensais qu'on voyait encore l'horizon. On arrive dans une zone assez désertique. Tempête de sable pour nous accueillir. Direction Méridian, qui est assez loin. Mais on va peut-être croiser beaucoup de choses sur le chemin, parce que c'est très loin. On voit un bâtiment là-bas au loin. On arrive vraiment dans une nouvelle zone. On a vu de loin des... Pardon, des oiseaux, voilà. Oh, il a l'air tellement grand. À l'aide. Là-bas, c'est quoi? On dirait un phare. Regarde la carte, hein, YouTube. On est là. Objectif Méridian. Un autre objectif là, un autre ici. Le rocher solitaire. On pourrait se diriger vers là-bas, hein, c'est le plus proche. Hein. Et on va voir un petit peu ce qu'on découvre en bas. Hein. On va se laisser un peu guider. Là, il y a un chemin. J'aime bien, ça me plaît. Solo Chief. C'est qui, YouTube? YouTube, mais YouTube, c'est... Hein? C'est toi, YouTube. Tu... Oh, il y a plein d'oiseaux là-bas. Ah, je sens presque le sable sous ma peau. Ah. YouTube, c'est une plateforme, tu sais. Fais la commande YouTube dans le chat. Une plateforme où on peut regarder des vidéos. J'entends des bruits. Il y a des créatures. On est là, on observe, j'ai pas envie de descendre. On va allonger la falaise ici, hein. Wouah! Wouah, j'aime bien! Je suis plus sub! Oh non, solo tif! On est combien? 245? Ah ouais, il y a des subs qui sont partis. Tantôt, on est monté à 250. C'est moi, ça. Tiens, putain. C'est-à-dire que j'ai encore besoin d'un peu de flamand et d'allemand? Non, you can speak only French in Belgium. In Brussels, Brussels en anglais. Because I think you go to Brussels or somewhere somewhere, ouais, somewhere else, but yeah, if you want visit, on dit visite, comment on dit visite? If you want to see all country speech French, speak French, Netherlands, German, it's good, but la zone allemande est toute petite. Il faut que tu aies une raison d'aller là-bas. C'est une zone toute petite, la zone germanophone. À Bruxelles, in Brussels, it speak globally, ça se dit? Oh là là, je suis nul. Hein. French, comment on dit majoritairement? Je sais pas parler en anglais, putain. Globalement, si tu viens à Bruxelles, ça parlera français. Il y aura des flamands, tu vas croiser des gens qui parlent Netherlands. If you want to go sea de sea, hein, si tu veux aller voir la mer. If you want to go sea de sea, c'est compliqué, ça. je sais pas comment on dit la côte. Ah, je sais pas, c'est compliqué. Je sais... Wow. Au secours, je ne sais pas bien m'exprimer en anglais. mais ouais, Nainzik, if you speak English in Belgium, the most people understand you. Hein. T'as vu, je ne... Ah, les cernes. Les cernes. Je ne parle pas bien, je n'utilise pas les temps, les bons temps, le passé, le futur, moi je parle au présent. Wow. Mais en Belgique, si tu parles anglais, majoritairement, on va te comprendre. Normalement, on va te comprendre, il n'y aura pas de souci. Pas besoin de parler néerlandais, français, allemand, bien évidemment. J'aime bien cette image-là, j'aime bien. Ça me plaît. Ça me plaît. Sorry hein, pour mon anglais approximatif. Non. Non. T'es not teach all three language at the school, just French and Netherlands, but you can pick up English à la place de néerlandais. Tu peux choisir. You can choose. You can choose the language you can. Oh là là. Pff. Je suis nul. Tu peux choisir la langue que tu veux apprendre, le néerlandais ou l'anglais. Le néerlandais est obligatoire quand on est jeune, mais après tu peux choisir. Et voilà.
Mais moi, j'ai eu quelques cours de néerlandais quand j'étais très très jeune. Ensuite, j'en ai plus eu et j'ai même pas eu de cours d'anglais. Donc, moi, je parle globalement français, quoi. Keep calm, your English is fine. Yeah, but, I make a full mistake, là. And, oh, putain, what the hell is that? Je ne conjugue pas mes verbes, Serpoletta. Serpo, croqueur. Ah, j'ai failli tomber, faut pas. Il y a un petit feu de camp ici. Pata qui parle anglais, on dirait TK qui parle anglais. What the fuck? Je vais attendre d'être dans la zone de chasse. Mais en fait, moi je parle bien anglais solo, mais il n'y a rien à faire. Je parle mieux anglais quand j'ai bu un verre. Quand j'ai bu un verre d'alcool, je joue au feeling. Sinon, quand je dois. En fait, le problème c'est que. Même en français, j'ai parfois du mal à me faire comprendre. Alors en anglais, mon cerveau il va trop vite pour ce que j'ai envie de raconter, tu vois. Oh, c'est compliqué. Très compliqué. On n'a pas besoin du magasin. Par contre, toi là. Par le soleil, tu es Nora? Je n'avais jamais vu de Nora dans la zone de chasse, ni au pavillon des chasseurs. Oh, c'est fascinant. Qu'est-ce que tu proposes? Je te propose de tester tes compétences face à un troupeau de machines dans les épreuves d'endurance. Tu penses être à la hauteur? J'en suis certaine. Excellent. J'adore ton mental. Tu es bien trop aimable. Gentil, lui. Bon, tu sais, on se sent seul dans la nature au bout de quelques semaines. Très seul, même. Comme toi, par contre. Et ton copain là-bas, alors? Bon, il ne compte pas. Il n'ouvre jamais la bouche, et quand ça arrive, il ne dit rien de bien intéressant. In Switzerland, it speak German? Ah bon? En Suisse, ça parle français? It's French too, in Switzerland? Maybe a little German? J'ai oublié ça. Je te conseille d'avoir une monture si tu veux aller vite à Méridien. Oh, bah oui, je sais bien, je me doute. Mais après, moi, j'explore aussi. Hein. Ils veulent que j'aille à Méridien, par là où je vais passer, je vais voir ce que je peux faire. Tu vois? Tu l'as fait à combien de temps, toi, perfection? Ça me rappelle en 5ème, j'avais impressionné ma prof d'anglais, j'étais trop fier de moi. Let's go, GG. Son Goku, comment ça va? Son Goku, j'ai vu une VOD d'un stream que j'ai fait il y a quelques temps, où j'ai loupé ton message quand tu disais bonjour. Donc je suis désolé, Son Goku, j'espère que tu vas bien. Plus d'infos sur toi. Il a l'air très gentil, lui. Ah ouais, en italien. Oh ouais. Oh. Je ne savais pas, ça. Je l'ai jamais fini. Mais moi non plus, je l'avais pas fini à l'époque. Donc, c'est pour ça que cette fois, on le termine. Je sais que ce jeu a des défauts, il a des longueurs, donc... tout ce qui me saoule, je ne le fais pas dans le jeu. C'est ce que je me suis dit. Qui es-tu? Que fais-tu là? Bah, je suis un chasseur, bien sûr. Et un membre du pavillon des chasseurs. Mais je me plais bien ici. Au moins personne ne se plaint de moi, de ma tenue, de mes manières, de ma personnalité. Ne le laissez pas entrer, il va faire fuir tout le monde avec ses bavardages, ou il pue encore le poisson. Oh, c'est une victime? Ce genre de choses. Oh, le pauvre. Je ne pue pas le poisson. Hein. Mais non. Non, c'est plutôt le fauve. Prends les douches, frère. Ah, c'est déjà mieux. sondage, vous préférez sentir le poisson ou le fauve? Parce que je fais un sondage. Bonjour à toi, Nanan. Des bisous. Content que tu sois resté aussi longtemps, même dans l'ombre. Oula! Pourquoi c'est... La caméra qui a tremblé de ouf. Mais... Je crois qu'il y a un mob à côté de nous, là. Vous préférez puer quoi? Le fauve ou le poisson? Un petit sondage, hein. Des bisous à Nanan. T'inquiète, comment tu vas depuis le départ du live? Bah écoute, ça va bien, on est assez calme aujourd'hui. Quand je joue à Horizon, en général, c'est assez calme. C'est détente, sauf pendant les gros combats, bien sûr. Donc voilà, tout va bien. Tout va très bien. Installe-toi. Toi, comment tu vas? Son Goku. Mumu dans l'ombre! C'est quoi ces épreuves? Le pavillon des chasseurs tient à ce que toutes les zones de chasse offrent aux chasseurs l'occasion de s'entraîner. Les épreuves d'ici concernent l'élément le plus important de la chasse,
la gestion de ton endurance. Ce n'est pas une course, c'est un défi. Donc tu proposes un entraînement ? Et un troupeau de machines. En plus, je peux accorder des insignes. Un demi-soleil, un soleil complet ou un soleil radieux, selon ton résultat. Ouais, bon, comme d'hab, hein. Bon, le pavillon des chasseurs, qu'est-ce que c'est exactement ? Parce qu'on en a déjà parlé, hein, on sait un peu c'est quoi, mais... C'est quoi, ce pavillon ? Un endroit à Méridian où les chasseurs se retrouvent, discutent et se vantent. C'est juste ça. Moi, je préfère chasser des machines. Ok, c'est juste ça. Tu as déjà gagné 3 demi-soleils. Tu peux donc rejoindre le pavillon, toi aussi. Léos ! Vous avez vu, j'ai réparé les emotes, là. C'est plus le même bordel qu'avant. Comment ça va, Léos ? Ça va fort, là. Tu n'as pas vu la conf PlayStation, du coup. C'est terminé ? C'est pas terminé, ça vient de commencer, non ? Il y a même pas une heure. Ou elle durait peut-être pas longtemps. Mais du coup, non, je l'ai pas vu, j'étais en stream. Je me suis dit, peut-être, si je stream Horizon Zero Dawn, Sony va me faire un raid et m'envoyer tous les viewers. Imagine, je me suis imaginé cette situation. Je me suis même vu parler anglais et faire genre « Thank you, Sony, for the raid. You see, I play your game. It's nice. Nice game. Thank you for the raid. Welcome. » Il parle là, mais le jeu présenté, c'est fini. Ah, d'accord. Ben, on va peut-être revoir des gens dans le chat, alors. Il y en a plein qui étaient partis voir un petit peu le truc. Hein. T'as vu, on est monté à 250 à un moment, Leios. 249 et aujourd'hui on était monté à 250. Et t'étais même pas là. Je veux dire. Ça aurait été incroyable ce motif, hein. Ça aurait été incroyable, hein. Mais vas-y si tu veux, dis-nous un petit peu ce que t'as vu, hein. Ouais, il y en a eu des subs, il y en a eu des subs. Ok, je vais bientôt m'acheter mon premier PC gamer. Oh, let's go, Sangoku. Ça c'est trop bien. Trois épreuves d'endurance. Laquelle tu veux essayer ? Je t'expliquerai tout. Vitesse, bataille, immobilisation. Ah, ça, mais ouais, elle m'intéresse un peu plus que d'habitude. Épreuve de vitesse. Alors, il y a trois cadavres de veilleurs sur trois crêtes. Bille-les tous avant la fin du compteur et tu auras gagné. Ouh. Ça a l'air simple, mais fais attention aux autres machines qui se trouvent en bas. Ah ouais, c'est compliqué, hein. Enfin, ok. On va devoir looter trois cadavres de machines. J'aurais choisi exactement la même. Descends. Le fauve et le poisson, 3-3. Et je lancerai le compteur. Je venais de faire un sondage, vous préférez puer quoi ? Le fauve ou le poisson, c'est égalité. Bon, écoutez, c'est bon. Attends, t'es sérieux ? Waouh ! Je devrais pas utiliser mes armes ici, ce serait de la triche. Y'a des mobs partout ! Je dois aller là, je dois aller là-bas, je dois aller là-bas, et je dois aller là-bas. Waouh ! Et le truc, c'est que je vais devoir le faire dans un temps imparti, quoi. On va attendre que l'oiseau là, il s'envole. Forspoken, Spider-Man 2, prochain Golf War, Uncharted Remaster. Ouh, Remaster d'Uncharted, ça c'est cool. Star Wars KOTOR, ou le. Forspoken, un nom de game. Ou alors j'ai oublié. Spider-Man, ça me hype pas. God of War, ouais. Une minute trente pour choper tous les veilleurs. Il faut pas qu'il me voit, lui. Allez, arrête. Arrête de me chercher. Encore un peu de patience. Encore un petit peu de patience. À un moment, il y aura une jauge. Mais je suis déjà à 35 secondes. Ah non, c'est bon. Grimpe. Me cacher là, j'ai cru que c'était des hautes herbes. Oula, c'était quoi ce? Ok, attends, c'est un enfer là. Je suis censé faire ça en 1 minute 30 au maximum. Oh putain. C'est sérieux? Oh non.
ils sont sérieux. J'ai réussi quoi, médaille d'argent ou quoi genre? Quel enfer ces connards. Faiblesse le feu. Tu sais quoi, moi je pense que je me casse juste. En plus il y a les gros qui arrivent là-bas. Attendez, c'est juste un peu l'enfer là, mais est-ce que je les combats ou pas? Il est tombé? Mais non. Désolé, c'était un peu brouillon tout le combat là, mais... Bon, c'est des nouveaux ennemis, hein. Et au début, je devais même pas les combattre. Je suis désolé, on discutait et tout. Est-ce que vous pensez que je peux l'avoir? Oh putain! Je déteste ces pigeons. Ok, c'est trop chiant. J'étais à 5 PS5, ouais, mais ça on le savait, hein. Mais c'est un autre. Ah, vas-y, ils sont horribles. Attendez, j'ai envie de vous parler, moi. C'est chiant, ce combat, là. En plus, je vais peut-être devoir en chasser après. Quand même, c'est les gros, là. Je les esquive. Ah, c'est la pire quête. Pire quête. Mais eux, là, eux, ils sont dangereux. C'est bon, les oiseaux, ils me suivent plus. Ils me cherchent. Il m'a vu. Putain. Si vous avez le tournis, mais moi aussi les gars. Je sais pas ils sont quel niveau, mais ils me font chier. Il y en a d'autres qui arrivent en plus. Mais non, mais en plus ils viennent de loin vu que c'est des oiseaux. Ah, les pires mobs du jeu ça. J'aime bien combattre des dinos en robot là, ou des ours, mais c'est des pigeons, non hein. Ah merde. Oh, bordel. Mais... Je l'ai touché. I die, motherfucker. Ok, sorry. Alan Wake remaster. Oui, mais Alan Wake, c'est quoi encore? Je suis parti bro, j'étais bien chill, tu as un plaisir à samedi. Artyom, à samedi, des bisous, ciao ciao hein. Ciao ciao Artyom. Tididididi. Le sol fonce. J'ai lu les messages après, Rock Inox. J'ai un peu galéré là, c'était un peu chiant hein, ce combat. C'était un peu chiant, il te rappelle. Mais quitte. Si je veux vraiment faire mes preuves, je vais devoir respecter. Alors là, j'ai pas... par exemple, là, j'ai pas le droit de sortir mon arc, donc barrez-vous. Ah, ça m'a... Oh, ah, ah. Quel enfer. J'ai vu certains disaient qu'à ce qui paraît, GTA 6 pourrait être une exclue Xbox et PC. Moi, j'en ai rien à foutre. J'ai un gros PC et je compte m'acheter une PlayStation 5. Donc, dans tous les cas, tu pourrais jouer à tous les jeux. Mais ouais, j'ai cru entendre ça aussi, c'est vrai. Après, est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Bon, GTA 6, c'est pas tout de suite. C'était clairement trop facile pour toi. Et Leios? Tu as gagné ce soleil complet au premier essai. Va un peu plus vite pour avoir un soleil radio. Mais ça sert à quoi les soleils radio? Leios, qu'est-ce que j'allais te demander? Le trailer de... Il y a un vrai trailer de God of War? Il y a eu des images Est-ce que je fais épreuve bataille? Pour cette épreuve, tu dois réussir à ligoter un piétineur et tirer sur un composant. Oh, ça me plaît. Mais il
te faut d'abord une arme adaptée. Ah, j'ai pas l'arme qu'il me faut. Ah, j'ai pas l'arme qu'il faut, Zisa. Ah non. Faut que je m'en aille. À la prochaine. C'est l'écrivain qui écrit des romans d'horreur. Oh, c'est stylé. J'ai l'impression de confondre avec un autre truc qui s'appelle... Ah ouais, attends, c'est quoi que je confonds? C'est pas Into the Dark? Alan Wake, je crois que je vois c'est quoi, alors. Mais c'est nul, les regardez, il me cherche. Je vais vraiment faire mes preuves. Je vais devoir respecter les règles. Ça se passe dans une ville, Alan Wake, en plus, non? OG, salut! Marron sur Tarkov, allez, let's go! Écoute, ça se passe bien. On est détente, tu le sais, hein, ici, quand on joue à Horizon. C'est détente, mais ça se passe bien. Je passe une bonne soirée. Content que tu fasses un petit coucou, très cher. Que les trailers, tu pourras check après le live. Oh oui, on va aller voir. Hein. OG, il paraît qu'il y a eu pas mal de trailers de jeux vidéo qui sont sortis, là. Moi, je suis chaud à aller voir le trailer de GTA V sur PlayStation 5. Ça, c'est vraiment... Je dois... C'est peut-être le truc qui me hype le plus. Non. Je devrais pas utiliser mes armes ici. Ce serait de la triche. Hop. C'est vrai que j'ai des flèches crotales électriques, là, c'est cool, ça. Bon, par contre, là, on a un pigeon volant qui est très grand, lui. Non, mais m'attaque pas, je suis encore... Ah oui, je peux combattre, ici? Ouah, mais les gars... C'est une bonne idée ou pas? Je crois pas que c'était une bonne idée. Oh putain. Oh putain. Oh, j'ai pas de vie. Sorry. Pardon. Hop là. Pars. Laisse-moi tranquille. Ok. Bon, nous, on doit descendre. Le problème, c'est que j'ai pas de soin. On arrive vraiment... On est dans une nouvelle zone, ça devient un peu plus galère, hein. Je crains plus rien. Pour l'instant, du moins. Oh, mais il est là-bas. Il me cherche ou pas? Non, il me cherche pas. Le trailer est éclaté de GTA. Bah, putain, quelle tristesse. Mais oui, ça reste GTA 5, je rigolais, hein. Très cher OG. Je suis content pour les petits coucous. Bon, alors, petit coucou. Ben, Cro, ça me fait vraiment super plaisir. Comment ça va, Cro? Depuis tout à l'heure. Tu es bien? Tu es bien installé? J'aimerais en chasser un de ces trucs-là, mais le problème, c'est qu'il y aura des oiseaux et tout, en plus, qui vont m'attaquer. On va aller jusque là-bas, on verra s'il y a des quêtes qui me font les attaquer. En tout cas, la nouvelle zone est une zone hyper hostile, hein. Prochain bon jeu qui sort, il y a quoi? Je vais prendre un Total War Warhammer 3. Ensuite, il y a quoi de beau? Peut-être BF6. Non, j'y vois pas trop quoi. Bah, le prochain Battlefield, moi, très très lourd. Je l'attends énormément. Il y a un petit jeu sympathique que je vais faire en live qui s'appelle Kena The Bridge of Spirit. Ça, il sort le 23 décembre ou 21, je sais plus. Bon, il y a le prochain Pokémon que je vais faire. Sinon, cette année, en termes de gros jeux, qu'est-ce qu'on a de gros qui arrive? Je crois qu'il y a pas mal de jeux en plus, mais... C'est vrai, GTA 5, pourquoi un trailer? Parce que ça continue de faire des thunes, GTA, c'est leur poule aux yeux d'or. Oh, regardez. Oh putain, j'ai presque plus de vie. Oh, c'est vraiment les pires, regardez jusqu'où il m'a suivi. Regardez, il s'est éclaté, il m'a suivi. C'est les pires, ça. C'est vraiment les pires. Tu crois que là je vais commencer avec l'arc ici à les dégommer? Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Franchement, pire idée. Mais attends un peu. Ouais, c'est ça, barre-toi plutôt, vas-y. Fuis. Non, je les combattrai quand il le faudra. Je suis pas bien, il y a trop de bruit, il y a trop de nouvelles créatures là. Oh putain, ça m'a fait super peur.
Je les hais. Je hais ces créatures. J'ai l'impression que je fais que dalle de dégâts aussi. Après, niveau compétence, j'ai 4 points de compétence. Hein. Esquive prodigieuse. Maintenant pour une esquive plus longue. Ouh. Je veux. Ça m'a coûté 3 points. Voilà, c'est fini. J'ai plus rien. C'est vrai que je dois débloquer celle-là pour avancer ici. Un double tir. Ok, il faut que je débloque tout ça pour avancer ici. Bon, la durée maximale de concentration. Oh, c'est bien ça. Ah, ça renverse plus rapidement. Ah ouais, mais waouh. Ah ouais, il faut vraiment que je progresse. Il faut que je prenne du level. Là, je me sens pas assez fort. Est-ce que j'essaie d'en combattre un? Allez, là, on se concentre. On se le prend, celui-là. Et la glace, elle reste au sol, en plus. Attends, son dos. Non, mes frères, ah. Ah oui, c'est vrai que je saute tout le temps, normalement. Ah, ils sont deux, là. J'ai pas chargé mon arc ou quoi? Mais toi, je suis trop nul. Et il tombe pas? Ok, c'est juste que je suis un peu nimp, mais en vrai, je suis trop fort. Là, je me concentre. Il suffit de se concentrer, et puis après, moi, j'éclate tout le monde. Vous savez, gamer professionnel, ici. Je ne touche pas, hein. En plus, deux flèches et ça explose. Deux flèches dans le torse et ça les explose. Et ensuite... Ensuite, il... Bon, ok, c'est parce que j'ai paniqué pendant 1000 combats juste avant, mais là, it's ok. Je suis trop fort. La pub pour Xbox. Ah, t'as vu? Le retour des pubs, si, ça fait plaisir. T'as amélioré tes armes. Alors, j'ai mis... oui, je vais te montrer un petit peu. J'ai mis un petit peu. Tu sais que tu avais moins peur dans ce jeu-là. Mais j'ai pas peur. Jamais, Cro. Tu m'as déjà vu avoir... Je dois être hors de danger. Tu m'as déjà vu avoir peur dans un jeu vidéo, Cro. Franchement, ça m'étonnerait. Hein. Ah, je vais te montrer un petit peu mes armes. Il est vrai que je ne sais pas comment faire. Je vais m'acheter bientôt un nouvel arc dans le jeu. J'économisais un petit peu. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut, sauf des points. Enfin, les éclats. Donc, celui-là, je vais pas l'améliorer parce que je vais acheter un nouvel arc. Et pas un arc de précision, vraiment un arc classique. Ah, il y a plein de soins, là. Et voilà. Sinon... Ah oui, j'ai acheté un crotal aussi. J'ai deux petites modifications dessus. Mais c'est pas ouf quoi. Dégâts plus 21%, si c'est pas mal ça. Bobine déchirure plus 10%, donc c'est pas mal. Mais je peux pas faire grand chose en plus pour mon arc principal. Le crotal, je viens de l'avoir. Donc ça, il faut que je le teste contre les grandes créatures, hein, surtout. Et l'arc, j'en ai vu un en mauve, qui n'est pas un arc spécial. Flèche explosive. Comment je fais pour avoir des flèches explosives? Moi j'ai que des flèches de feu. Je fais comment ça? Je vais voir c'est quoi là. C'est quoi ce bâtiment ici? Un garde. Nao! Comment vas-tu, Nao? Petit coucou en coup de vent. Bienvenue à toi, Nao. Demande pas où aller si tu es perdu. Comment est-ce que ça va? Privilégie la lance. Ça? Ouais, mais bon, l'arc c'est quand même une l'arme principale du jeu, non? Le remaster de Star Wars The Old Republic. Ouais, j'ai jamais joué. Mais c'est pas un... C'est un jeu solo, ça? Ou c'est pas un... Ouais, c'est un jeu solo, en fait. Maybe. Peut-être faudrait que je teste. Il y en a trop pour que je les cite ici. Je vois pas de quoi vous parler, monsieur. Et non, moi, ça va bien.
Je suis détente, quoique pas trop apparemment, parce que là, depuis que je suis arrivé dans cette zone, je fais un peu n'importe quoi. Je me suis senti... L'ambiance est folle. Je me suis senti oppressé par tous les mobs qui m'ont attaqué là, alors qu'ils n'étaient pas spécialement ultra cheatés, mais... Mais j'ai eu un peu de mal. Mais sinon, tout va bien, Nao. On est bien, on est chill. Est-ce que je te ferais pas faire une petite pause sympa, toi? Une où tu regardes l'horizon? Sans jeu de mots? Horizon, Horizon Zero Dawn... Ouais, bon. Coucou. Mais comment je fais pour améliorer mon arme au corps à corps? Je peux l'améliorer? Je fais comment pour l'améliorer mon arme au corps à corps? Parce que moi je peux améliorer ça, mais... Faudrait que j'achète une nouvelle lance alors, c'est ça? J'ai été choqué aussi au corps à corps à quel point je faisais peu de dégâts. Mais j'avoue que je n'ai aucune idée. Il faudrait que j'achète une nouvelle... Faudrait que j'achète une nouvelle lance, quoi, c'est ça? Des bisous, Nao, merci d'être venu dire bonjour. J'ai quelques persos, si tu veux. Quelques persos? Oui, c'est un MMO... Ah, voilà, c'est le MMO RPG! Ah, j'étais pas sûr! Ils ont fait un remaster d'un MMO RPG, c'est vrai? C'est trop bizarre. Alors, je m'y mettrai pas. Moi, les MMO, j'aime bien, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'y jouer à fond. Le pavillon des chasseurs n'aurait jamais dû accepter ces femmes. Ouais, dis-y, passage rapide, toi aussi. Bonne soirée, bonne nuit. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Prends soin de toi et courage pour la rentrée, hein. Ça roule, mais il est pas là. Imperius n'est pas là aujourd'hui, Nao. Mais je lui dirai, s'il passe. Super Shinra, bienvenue. Comment est-ce que ça va, Super Shinra? Installe-toi. On est arrivé dans une toute nouvelle zone. Des créatures horribles. Qui m'ont mis en PLS, des oiseaux horribles. Si on avait un suite, je sais pas si c'est le mot juste. Un suite, c'est un pull, ouais, un pull à capuche. Un suite à capuche, ouais. Ça va, t'as bien nettoyé, t'as bien fait la lessive, Serpoletta. Tu peux te reposer maintenant. Garde du Levant. Petite zone safe où il y a absolument rien. Tidi, Super Shinra, FF9, il me fait de l'œil. Hein. Chaque fois que je te vois y jouer, je suis là. Mais moi aussi, je veux y jouer. Final Fantasy 9, les amis. Qui dans le chat? Je peux rentrer là ou pas? Non. Vous avez vu la taille de cette porte? Qui a déjà joué à Final Fantasy 9 dans le chat? Là, c'est pas du loot caché, mais. Alors, il y a Crow, il y a Super Shinra du coup, mais je sais pas s'il y en a d'autres. Des bisous, White! Des bisous! Et toi aussi, Nao? Je sais plus si t'as un level au-dessus ou si chez le marchand forgeron tu peux le up. Bah, je regarderai, j'ai pas vu de forgeron encore en fait. À part les marchands. Waouh. Tu es dans l'hélium, car. On va passer par là. Oh là, il y a un village là-bas. C'est bien, on découvre un peu. Est-ce qu'on va jusqu'au village? Il y aura peut-être des quêtes. Ouais, on va là-bas, on va au village. Parce que là, il n'y a pas de quête. Là, il me laisse explorer de moi-même. C'est cool, hein. Attention, je trouve ça super cool. Mais justement, allons. Allons explorer. Tididi. Tididi. Mais il n'y a que toi, Crow et Super Shinra. Donc, Super Shinra, c'est un streamer dans le chat. D'ailleurs, Super Shinra, à toi, il est temps qu'il y ait plus de gens qui viennent te voir, hein. Les amis, j'envoie le lien de Super Shinra dans le chat. Il est trop cool. Ses streams sont posés. Il parle avec vous. Il est passionné. Il parle des jeux. Est-ce qu'il est aussi fort que moi? Bon, je sais pas. Hein. Il aime bien Final Fantasy. Il fait le 9 actuellement. Il fait aussi Cyberpunk actuellement. Alors, il a fait Resident Evil Village. Je sais pas si tu l'as fait en stream. Oui, tu l'as fait en stream, il me semble, hein. N'hésitez pas à aller le soutenir, parce que je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu as si peu de gens qui te découvrent. Parce que vraiment, quand on vient sur ton stream, genre c'est quali, tu vois. C'est hyper quali, on a envie de rester, tu chill, tu discutes. Donc Super Shinra, je vais peut-être devoir te faire un peu plus de pub, là. Hein, très cher. Oh, tant pis pour la prudence. Désert du Nevada, un petit peu, ouais. Ou Las Vegas?
C'est vrai qu'il y a, c'est vrai qu'il y a un côté... Il y a un côté américain quand tu vois les falaises en fait. Alors, on va faire gaffe près de l'eau parce qu'on sait qu'il y a les crocodiles, mais non, on en a croisé tout à l'heure. Mais c'était pas du tout ici. Hein. C'est quoi ça? C'est juste du bois cassé? Je regarde s'il n'y a pas un peu d'objets de soins avant d'avancer vers le village. Des branches, des branches. On ramasse un peu, on n'en ramasse plus assez. Hein. Marchand, forgeon, c'est pareil. Ok. D'accord, d'accord, j'étais pas sûr du coup, j'avais un doute, j'étais pas sûr. Mais du coup, je regarderai le prochain marchand. Je vais voir si je peux effectivement acheter une nouvelle lance, parce que je suis un peu nul en termes de corps à corps, malheureusement. Il est vrai, tu as l'œil, Kinox. Kinox. On va remonter sur le pont. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vieux, Crow. Mais ça dépend des jeux que je fais. Il fut un temps où il y avait beaucoup de vieux dans le chat et je rigolais un peu de ça. Mais c'est vrai que là, les jeux que je fais pour l'instant, il n'y a pas spécialement de vieux. Oh, il me fait peur. Waouh. Hello. Bon, on va aller à ce petit village, là. J'ai envie de faire des quêtes, moi, dans ce désert. J'ai envie d'histoire, là. Sémaphore. Sémaphore. Je trouve que les sons du jeu, audio... Ah, le son est à fond? La musique? Et si je fais ça, 80, que j'augmente ici de... Je mets ouais, j'augmente à fond. Je mets à fond, comme ça. Histoire qu'on ait un petit peu les... Mais quoique, là, moi, le son est à fond dans mes oreilles, là, sérieux? Vous, c'est assez fort, hein. Et là, je l'ai fait en live. Ah, thanks pour la pub. Mais c'est normal, très cher Super Shinra. Vraiment, je t'ai dit, on est bien dans ton chat, alors... alors voilà. Nakual. Je suis endormi très vite. Ah, mais il n'y a pas de souci, très cher Nakual. Dis, aucun souci. Hein. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Regarde-moi ces décors dans lesquels on... Oh là, oh là, il y a un truc là-bas. C'est juste un arbre? C'est peut-être juste un arbre. Oh là là, c'est tellement beau, hein. C'est tellement beau. Oui, je vous ai dit, hein, il y a des petits bugs de lumière, là. Le soleil qui apparaît, des ombres aussi. J'ai commencé le jeu en 2017, mais j'ai pas exploré comme ça, hein. J'ai pas vu tous ces décors-là, hein. J'ai vraiment pas vu ces décors-là, hein. En fait, ça se trouve, en 2017, je m'étais arrêté ici, en termes de quête principale. J'ai une sorte de souvenir de Méridian. Je crois que j'avais été dans la grande ville, mais pas longtemps, mais... C'est bizarre, je me rappelle pas des décors, je me rappelle de rien. Tant mieux, hein. Des bisous, perfection, courage pour l'école. Ciao, ciao, mon vieux, je sais pas si t'es encore là, mais des bisous, hein. Des bisous, des bisous. Juste par là. J'ai déjà fait les défis de chasse, ouais, mais je les ai pas tous faits du tout. En termes de défis de chasse, hop. Ici, j'en ai fait un, et je l'ai fait, j'ai eu la deuxième médaille. Ici, j'ai eu toutes les médailles au max. Il y en a un autre ici, et là, j'ai eu qu'une médaille. Mais j'ai déjà débloqué le pavillon des chasseurs. Donc voilà, pour l'instant, voilà, voilà. Il y a un marchand. Il y a un marchand. Oh, j'aime bien les bâtiments, là. Mais ils sont chouettes, ces bâtiments. Par contre, ça m'oppresse comment la caméra zoome sur... à l'œil, quoi. Oh, je vois pas bien. Oh, il faut... Ça va, monsieur? C'est pour faire de la musique, ça? Un bon conseil. Ne fais jamais d'enfant si tu peux l'éviter. Bien entendu, ça. Ne faites jamais d'enfant si vous pouvez l'éviter. Pas moi qui le dis. Très cher marchand. Mais tu vois comment je fais pour acheter... Comment je fais pour acheter des armes de corps à corps? Je peux pas. J'ai aucune... En fait, pour l'instant, Kainox, j'ai aucune manière d'améliorer une arme de corps à corps. Aucune. Je peux pas mettre des objets dessus.
Je peux pas. Donc ce sera plus tard dans le jeu. Elle est là, ma lance. Moi, j'en ai jamais vu d'autres. Ah, mon ventre, il a fait du bruit. Niveau 60, Serpolita. Fatigué encore aujourd'hui, je vais pas tarder en vrai. Ma, endors-toi sous le son de ma douce voix, très cher Nakwan. Des bisous. Merci à toi d'être passé, ça me fait plaisir. A bientôt, mon vieux. Dédé, il y a des super récompenses si ça te dit un jour. Ah ouais? Ah, mais peut-être qu'il faudrait que je les fasse, hein. Peut-être qu'il faudrait que je les fasse. Et là, je suis étonné. Tu vas me dire qu'il n'y a pas une seule quête secondaire dans tout cet endroit-là? Je la préparerai plus tard. Après, j'ai pas encore fini de visiter, mais... Moi, je venais ici pour essayer d'avoir une quête secondaire, un petit truc. Oh, bonjour. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes me parler. Ok. Vous voyez, Horizon Zero Dawn, ils ont plein de trucs. Mais bordel, qu'est-ce qu'on se fait chier? Regarde le village, quoi. Y'a quoi? Y'a juste un... Bon, y'a ça, là. Mais ça, franchement... S'explique le lore du jeu, mais moi j'aimerais le vivre un peu, le lore du jeu. Regardez, ils font ce design de maison incroyable, ils font des villages avec des PNJ. Tu peux parler à personne sauf au marchand. Et le marchand, il vend quoi? Le marchand, il vend les mêmes objets que tous les autres marchands du jeu. Il n'y a pas une seule quête. Alors on y reviendra peut-être plus tard dans le jeu, hein, je me répète, mais... Genre, c'est pourquoi, pour quel intérêt de venir ici? Pour le feu de camp? Ils mettent des feux de camp partout, de toute façon. C'est fermé. C'est bien beau de faire une cité, mais... Enfin, je sais pas, j'avoue que ça me déçoit un peu, hein. Je sais pas vous, mais... J'en ai marre de travailler. Je crois que je vais aller à la fête. Bah, je me barre, alors, hein. Voilà. On a visité le village. Putain, c'est tellement décevant. Vous trouvez pas? Mais tout le monde va dormir! Tout le monde se barre, Gan! Des bisous, cœur sur toi! À bientôt, très cher! A très bientôt. Je me plains du jeu là, hein, mais tout va bene. Hein. Ah, je vois qu'il y a des crocos ici, ok. C'est quoi, on voulait faire ça là? Ouh! Ça? On va aller faire ça dans un premier temps, d'accord? On va chercher un grand front pour avoir une monture. Comme ça, on n'y va pas à pied. Mikey, ça fait plaisir! Ça fait plaisir. Non, mais là, je suis dans un petit mood où je me plains, mais vous me connaissez, hein. Ça va passer. Mais avouez que c'est dommage, hein. Tout ce village pour rien. Je commence à comprendre pourquoi beaucoup de gens ne sont pas intéressés par le stream sur ce jeu. Mais en fait, c'est ça. C'est ça, en fait. Les terres sacrées des Noras. Ce jeu est bien, et en même temps, il est vraiment pas bien. Oh, très utile. Il est très beau, mais ça fait pas tout, hein. Ça fait pas tout. Après, bon, quoi? Est-ce que je dois envisager d'arrêter de le streamer et de pas le faire? Non. Par contre, je peux envisager de rusher le jeu. Rusher un peu l'histoire. Je sais pas. Non, je l'ai tué. Oh, je suis trop con. Je suis gouré de touche. Ça veut dire qu'il n'y en avait pas un seul autre s'il y en a un là. Je voulais le pirater, je me suis trompé une touche. Mais ouais, ouais. Ouais. J'y suis presque. Hop là. Ben ouais, il faut que je m'amuse, mais c'est vrai que le fait de voir que dans le chat, il y a personne qui, ou presque, attention, hein, qui se hype par le jeu, c'est un peu... c'est tristounet, tu vois, je le ressens aussi. Quand il y a un jeu qui est cool, que les gens apprécient voir, ben tu le ressens tout de suite, mais l'inverse aussi, tu le ressens. C'est vrai que c'est un peu dommage. Je me rapproche encore un signal. Il y a des jeux où ça arrive que je sois déçu, et puis que d'autres fois je sois émerveillé. Et celui-là fait partie des jeux où bah, je peux être déçu à certains moments. On ramasse l'autre objet. Ah bah les crocos. Ah, on voit la girafe, le long cou. Oh putain, s'il te plaît, frère. C'était tout droit.
Oh putain, elle est juste là. Tu vois, genre ça, bon... Ce genre de scène, c'est trop bien. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire mieux? Parce qu'ils auraient pu faire tellement de choses mieux, et en même temps, ben, il faut pas trop en demander, tu vois. On dirait que le jeu, il est incroyable, il est magnifique et tout. Mais en termes de contenu, il est vraiment 2015, quoi. C'est, tu vois, The Witcher 3, ça, c'est sorti 2 ans après. Il y a des choses qu'ils auraient pu faire mieux, quoi. C'est un peu mou, quoi, comparé à Dead Space. Ah, ça, c'est sûr. Mais bon, on a fait Zelda Breath of the Wild. C'est un jeu qui était mou aussi, tu vois. Je sais pas. La zone au sud de ta position, c'est ma zone préférée. Style jungle luxuriante. Ça, j'espère trop voir une zone comme ça. Ça, j'ai hâte de voir une zone comme ça, Super Shinra. Avec FF9, il n'y aura pas de coup de mou. Ah, ça, c'est cool. Merci, Kainok. Je suis content que tu kiffes. Je suis pas fan du jeu, mais c'est toujours cool de devoir jouer. Mais ça fait plaisir. Mais c'est vrai que ça, c'est le genre de jeu. Les gens qui vont venir vont peut-être plus venir pour moi que pour le genre lui-même. Mais c'est dommage, je m'étais dit un petit monde ouvert, ça peut faire du bien un petit peu. Pour le stream, pour... Enfin, je sais pas, ça pouvait être cool, quoi. Je prends des screens pour les... Oh putain, regarde. Comment je vais te grimper dessus, toi? Ah, c'est toi qui m'as repéré. J'ai passé le test. Faut que je grimpe en haut là, mais si je vais dans l'eau et qu'il y a des crocos dans l'eau. J'espère qu'il n'y en aura pas. Déjà, avoir des interactions et des mini-quêtes annexes dans le village sera un bon hub. Ah, ouais, putain! Non, franchement, là, j'avoue, j'étais sur le cul. Un village, je me dis yes, un petit peu d'interaction, de vie. Que dalle, donc on dirait qu'ils ont mis des ennemis partout et des personnages à la con. Ça m'a déçu là. Oh, mais t'as save game tout comme. Ah yeah! C'est vrai que comme le jeu est connu, ben, ça les gens n'ont pas peur de venir par rapport aux spoilers, ça c'est vrai. Mais tu vois là, par exemple, ceux-là, je suis obligé de les esquiver, j'ai pas le level d'affronter des trucs comme ça quoi. Donc je me retrouve à juste me balader et à éviter des combats. À moins que je l'attaque. On peut essayer de se le faire, mais bon. Oh, j'ai mis un piège. Oh, j'ai pas fait exprès. Il m'a presque one shot. Comment tu veux que j'ai envie de combattre les ennemis? Ah là, je suis mort. Je suis mort, hein. Idéal pour sauter sur lui, mais c'est mort. Ah, tu vois, c'est chiant. C'est des... Ah, oh, je vais crever, je cours. Ah! 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 Ce serait vraiment bien si vous cherchez pas. Ça y est, je suis entré dans une phase où le jeu m'énerve. Oh non! Non, 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 non! Oh putain! Ok! Yeah, it is on Genshin Impact, Aiki. Tiri. Oui, c'est vrai. Les archers, ouais, c'est vrai.
crois que je me rapproche du signal. En sérieux, ils m'ont fait spawn là, sérieusement. En fait, là, j'ai l'impression d'être d'avoir zéro le... Je suis même pas caché, là. J'ai l'impression d'avoir zéro level, il se passe rien, il n'y a pas de quête, et là, ces ennemis-là, j'aimerais les combattre, mais ils sont trop forts, et ils m'en mettent 4 en même temps, donc si j'en attire... Juste que j'atteigne la tête du grand coup. Bah oui, mais le grand coup, il faut qu'il fasse le tour, là. Hein, peut-être que petit à petit, je vais vraiment me rappeler le pourquoi j'ai arrêté d'y jouer, hein. Bon, allez, le grand coup, là. Fais le tour. On va l'attendre. Tu vois, c'est stylé, ça va être trop cool à combattre, ça, mais juste, ils sont trop forts. Alors, je sais que je suis en difficile, mais... Peut-être juste je suis nul et que j'essaie pas d'être fort. Peut-être que je devrais... Vas-y, tu sais quoi, allez, on va combattre. Allez, je vais prendre sur moi et on va essayer de bien combattre. Coucou. Allez, on va tout de suite te calmer. Non mais par contre, leur manière qu'il a de me foncer dessus, par contre, c'est un enfer. Il y a un truc qui me tire de 4 km au loin et ils arrivent tous sur moi. Regarde, non, sérieux. Ah, c'est toi là. Pire, c'est que ça m'apporte rien de les combattre. Ça ne m'apporte rien de les combattre. C'est quoi là? Rapproche-toi, toi. Et il y a un croco qui arrive. Non, mais tu vois, qu'est-ce que... Oh. Je vais crever. Bah voilà, GG. Eh non. J'étais dessus et ils m'ont fait tomber en me tirant dessus à l'infini. Genre, chacun. Même eux, ils m'ont capté là-bas. Même eux m'ont capté. Il est où le fun? À quel moment je m'amuse en fait sur le jeu, bordel? Bah je me casse d'ici, hein, tant pis pour le grand coup. Quoi, je cours directement jusque là vu qu'il n'y a pas de quête sur le chemin? S'ils veulent qu'on fasse ça... Ah non! Sur le chemin, il y a un camp de bandits. Ah! Ah, il y a une petite quête là. Ah mais voilà, là on peut y aller. Par contre, au village, il n'y en a pas, hein. On va faire la petite quête là, en espérant qu'elle soit sympa et pas juste aller chercher... Putain, et on tire encore dessus de l'autre côté. Et je suis mort. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Là, c'est plus que de la galère, c'est que le jeu me casse les couilles. Allez, j'étais hyper hypé par cette nouvelle zone. J'étais hyper hypé. Après, à peine j'arrive, une quête de chasse, la première dans l'ordre. Je dois ramasser 3 cadavres de bestioles. Quelque chose envoie un signal. Allez, salut les gars, ça va? T'imagines me faire respawn là? T'imagines? Sérieux? T'imagines? Quel jeu de mort. J'arrive, il me donne une quête la plus nulle possible. Quête de chasse, mais vraiment... ramasser des cadavres pendant qu'il y a des oiseaux, là, les nouveaux, qui t'attaquent de ouf. C'était hyper chiant. J'avance, je me dis allez, je vois un village, les décors sont magnifiques, je vois des belles créatures au loin, je me dis ça va être cool. Et en fait, mon cul. Peut-être j'aurais juste mettre le jeu en normal, hein, mais ça n'empêchera pas que là, à niveau défaut... Là je suis dans une spirale de saoulé, là, je suis saoulé. Je suis saoulé.
En plus, je pensais que je jouais bien. Qui t'arrive dans une zone comme ça, alors que... Juste ici... Juste là, ils te font combattre un peu le premier boss du jeu, au début. L'espèce de scorpion qui corrompt les machines. Ils me le font combattre avec plein de machines corrompues. Je les ai éclatées en 3 secondes. C'est que je suis même pas sûr qu'ils m'aient touché, tu vois. Je les ai éclatées. Et puis là, j'arrive dans une nouvelle zone qui est censée être cool, et je me fais éclater tout de suite. Je sais pas, ce... Je sais pas. Je sais pas comment jouer au jeu, peut-être que je joue juste hyper mal au jeu. Peut-être juste c'est ça, hein. Ouais, moi je casse pas tout, mais j'ouvre ma gueule et je me plains, quoi. C'est comme ça que je fais, moi. Et tu vois, quand je vois tout ça, bah, je comprends que les gens n'aient jamais terminé le jeu. Quel intérêt il y a de terminer un jeu qui te prend pour un con comme ça, qui te prend pas au sérieux en tant que joueur. Et ça recommence. Est-ce qu'il y a un passage par là ou pas? Ou est-ce que c'est un cul-de-sac? Ça ressemble à un passage, mais ça va être un cul-de-sac, non? Ok, on peut passer. Allez, le jeu est magnifique, les décors sont dingues, c'est trop cool à explorer. En fait, non, c'est pas trop cool à explorer parce qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, malheureusement. Waouh, un cadavre. Regardez-moi ce village là-bas devant moi. Il n'y a rien là-bas. Il sert à rien. Il y a un magasinier. Juste un magasinier. Un magasin, un vendeur. Qui vend exactement la même chose que tous les autres vendeurs du jeu. La même chose. C'est la seule chose qu'il y a là-bas. Après, avec une future quête, peut-être que... On ira hein, au village, mais qu'il y aura quelque chose qui s'y passera, mais... J'ai un doute. Le problème, c'est que ma quête principale, elle est hyper loin. Elle est là-bas, hein. Elle est très très loin, la quête principale. Et sur toute cette exploration ici, il n'y a rien eu. Voilà. Oui, c'est vrai, il y a une quête de chasse ici, ouais, c'est vrai. Il y a un camp de barbares, là. Il y a des mobs qui servent à rien. Il y a ça ici. Ça va être cool. Ça, on devrait aller le faire. Mais... Ça roule, Panda. Passe une bonne nuit. Merci pour le soutien. Ouais, bah, si c'est fait exprès, c'est un peu dommage, quoi. Alors, je crois que je vais mettre le jeu en normal et le rusher sur l'histoire. Hein. Oui, ça va être ça. Hein. Tu vois? Pourquoi ce putain de PNJ qui est tout seul ici? Pourquoi t'es pas au village? Oh non, c'est lui. Oh non. La seule quête secondaire que j'ai, il va me dire, viens, on va tuer les méchants, là. Niveau 12, en plus. Niveau 12. Ils m'ont déjà mis des trucs niveau 15, niveau 20. En plus, il est cool, ce personnage, mais il te sert à attaquer que les... que les camps de bandits, quoi. Je t'avais bien dit qu'on se reverrait. Neil. Toujours après les bandits? Bien sûr. J'ai aiguisé mon couteau pour être prêt dès que je sentirai l'odeur du combat. Et tu peux me croire, ces bandits, on les voit venir de loin. Le mieux, c'est d'ajouter une touche de panique et de désespoir. Là, ça pique le nez. Et donc, il s'appelle comment ton couteau? Qui donnerait un nom à son couteau? Ouais, c'est ce que je dois refaire, un Canox. Je fais ça comme ça. Alors, t'es prête? Ne va pas croire que j'aime ça. Je suis pas prête. T'en fais pas. On va faire en sorte qu'il ne trahisse pas ton secret. Quoi, ça, je suis censé avoir accepté la quête? Sérieux? Non, ça va, je l'ai pas accepté. On a juste débloqué la quête, ok. Vous voulez qu'on fasse un camp de bandits pour donner une chance au jeu? Ou pas? Pensez quoi? Mais je sais pas, Kinox, peut-être que je suis trop nul, hein, et que les crocos... Toi, j'ai vu plus haut que t'arrivais à les péter, mais... Moi, tout de suite, je vais là, il y a des oiseaux, il y a des veilleurs. Les veilleurs, on s'en fiche, mais quand même, c'est chiant, ça tire de loin et tout. Et il y a 3 crocos, quoi. En plus, il y a des feux de camp partout. Et pourtant, il me faisait respawn là quand je crevais. Ça, je comprends pas.
Le problème, c'est que si je commence à esquiver un max de quêtes, moi, en difficile, et à un moment, je vais pleurer, quoi. J'aurai pas de level up. Ça va être un bordel. Là, j'ai envie d'aller faire le camp ennemi, là. Ça fait partie du jeu, combattre des humains, mais... Vas-y. Bonjour, messieurs. Oui, salut. Mais merde, je peux pas cancel. Tuer tout le monde. C'est qui me tire dessus? Ah, salut toi. Bon, je l'ai pas touché. Bon, on a fini le camp. Oui. T'as vu, vous avez vu la différence quand je combats ça et comparé aux autres créatures là. Non Natalia, je suis énervé. Je râle de ouf depuis tantôt. Tu les as fait en infiltration toi les crocos Père Shinra. Ben le truc c'est que moi j'ai l'impression que je fais pas mal de quêtes Kainox hein. J'ai esquivé une quête. Et ouais, c'est vrai, les quêtes de chasse aussi. Mais là, Nat, j'ai réagi sur le jeu. Je t'avais vu... J'ai réagi pourquoi? Parce que je suis occupé d'explorer une toute nouvelle zone qui est magnifique, un désert, il est super beau. J'arrive, je vois qu'il y a énormément de mobs autour, des oiseaux, géants, des petits, des grandes créatures. C'est super stylé. Première quête, c'est une quête de chasse. Le personnage, en plus, c'est sympa. Je fais la première quête des trois quêtes. Elle est horrible. Aller chercher un cadavre ici. Un autre cadavre là. Un autre là. C'était combien? En 1 minute 30 1 minute 30. Pendant que tous les oiseaux t'attaquent. Toutes les créatures au sol aussi. Donc c'était chiant. Donc j'en ai pas fait d'autres. Peut-être que j'aurais dû. Hein. Peut-être qu'on va retourner les faire. Je progresse. Ici là. Garde du Levant. Un bâtiment. C'est cool, sauf qu'en fait non, il y a deux PNJ, ils me disent bonjour, il y a un feu de camp, c'est tout. Je progresse. Là, ici, ultra beau paysage, vraiment des montagnes, des créatures au loin et tout. Un village ici qui semble magnifique, franchement qui était magnifique et tout. J'arrive au village, il y a rien dans le village, il y a trois pécores, trois PNJ, ils te parlent pas. Il y a un magasin, un marchand, le même marchand que dans tout, exactement le même marchand que celui-là. Ils vendent les mêmes objets que le premier du jeu. Et absolument aucune quête secondaire dans le jeu. Ici, dans le village. Ok. Je me dis, bon, je vois la girafe ici. C'est pour débloquer toute la map. En général, c'est cool, c'est beau. J'arrive là, c'est juste rempli de crocos. Rempli de mobs. Je me fais éclater 4 fois de suite. Et ils me font respawn au milieu de l'île.
Au milieu de l'île, il me faut respawn, alors qu'il y a des feux de camp partout. On se demande à quoi servent les feux de camp, en fait. Genre, vraiment, on se demande à quoi ils servent. Autant faire des sauvegardes du menu pause. Donc, je me casse, parce que juste, c'est pas possible. Je pourrais, hein. C'est pas si compliqué, il faut se tryhard un peu, se cacher, blabla. Mais c'est chiant, c'est pas agréable. Et puis là, je vois une quête secondaire, je me dis, enfin. Qu'est-ce que c'est, la quête secondaire, c'est... Va faire un camp de bandits. Voilà, je suis arrivé, j'ai éclaté, je les ai éclatés. La quête est niveau 12, va savoir pourquoi, alors que... Ça, là, c'est niveau 20. La quête qui était à côté était niveau 15. Et que les Pokémon sauvages à côté sont ultra forts. On va y retourner, là. On va y retourner, on verra. On est dans le désert, il y a moins de plantes de soins, j'en trouve pas beaucoup non plus. Ah ! Et je suis persuadé que ça doit être dans cette période-là que j'ai arrêté le jeu en 2017. Je devais être dans cette zone ici. Voilà, j'ai libéré un village. C'est pas trop, ça a servi à quoi ? Ah ! Un marchand ! Le même qui vend les mêmes choses partout. Ah, mais non, il y a des gardes et tout. Ah non, je... J'ai le seum. Voilà. J'ai le seum. Dont ce beat... Non, arrête. Ma fenêtre est ouverte. J'ai bu énormément. J'ai même un ventilateur et je respire. Je vais écouter les conseils de Nata. Mais ouais, ils ont tout dupliqué, donc c'est nul, ça me saoule. Et c'est dommage, parce que le jeu a des bonnes choses, mais il a tellement de mauvaises choses aussi. Donc venez, on va retourner au long cours. Mais de nouveau, moi j'ai pas de soins. Bah tu sais quoi, ça je peux acheter au marchand. Il est où le marchand? Ça, je peux lui acheter des potions. Mais tu vois, il y a des décors, je les vois même pas les décors, tellement. Il y a du loot, mais c'est le bordel. C'était tellement peu intéressant. J'ai plus de place. Et c'est quoi que j'ai plus place exactement? Givre nain, on s'en fiche. Et ça, c'est quoi? Amulette antique irrégulière. Je sais pas. Voilà, je suis désolé pour ceux qui adorent le jeu. Je me plains énormément et voilà. Je pense à toi, Kainox. Hein. Je suis vraiment désolé. Hein. Et voilà, je suis désolé. Potion. Ah, ça, je peux en acheter plein en plus. Ah, j'ai plus de thunes. Maintenant, on va aller voir le grand coup qui est là-bas. On va essayer de débloquer la zone sur la carte. Bien loin de la terre sacrée. Voir les choses intéressantes quand même. Et tu vois là. C'est quoi? C'est une machine? C'est. Ouais, c'est plutôt stylé comme décor, mais. Ah, super, il y avait des potions. Bah putain, ça m'apprendra à pas tout looter avant. Je peux pas sortir par là? Bon, objectif grand coup. On sait que là-bas c'est dangereux. Faudrait que je prenne un peu de soin sur la route. Peut-être que je vais mettre le jeu en facile. Je me pose la question, je déteste faire des changements. Mais... Pas un peu de soin en plus. Merci Super Shinra. Donc Nata, tu n'as rien loupé. Mais tantôt c'était chill hein. C'est vraiment, on est arrivé dans cette nouvelle zone et va savoir pourquoi. Ils ont fait nappe. Bon, il faut que je me mette en hauteur. On retourne là-bas. On retourne là-bas. Et quoi? Je fais quoi? Je combat? Putain, je suis coupé de touche. Ah, tu l'as pas fini non plus, c'est vrai, putain. Mais tu vois, je connais personne qui a fini le jeu. Je connais personne qui a fini le jeu. Personne. Il y a des crocos partout. On va aller là. Là, ça a l'air plus facile. Ah, quoique, bon, il y a deux crocos, mais... Il y en a un qui me capte, ils me captent tous. Là-bas, il y a un croco qui m'a capté à 4 km. Il y en a même un qui tire dans l'eau pour voir si j'y suis. Je vais les éviter. Je peux me planquer en haut. Si c'est ça qu'ils veulent, on va pas combattre, hein. Tu vois, j'aimerais les combattre, ils sont super stylés, mais tout de suite, il y a blindé de mobs, et ils sont quand même assez durs. Je peux en péter un, mais le problème, c'est que le combat dure 15 ans, parce qu'il y en a 15 autres qui apparaissent. Et là, on attend l'autre connard qui fait le tour. Tu as combien d'heures de jeu? Bah, ma dernière sauvegarde...
Je suis déjà à 16 heures de jeu, putain. 16 heures de jeu. En privé, tu veux dire? Comment ça en privé? Natalia, j'ai pas compris. Ouais, bah Super Shinra, je crois qu'on va peut-être se diriger vers les zones de chasse, alors. Mais j'ai fait la première à 100%, et je sais plus trop ce qu'ils m'ont donné. Voilà, j'ai envie de combattre, en fait. Là, je... J'ai envie de combattre, moi. Mais si je combats, il y a même des machines qui viennent d'autres zones qui me captent. Ah, tu la platines, toi? Ah, putain, Super Shinra. Et oui, je vais dire en privé, mais j'ai exagéré en disant que je connais personne qui l'a terminé, mais... En fait, je connais tellement de personnes qui n'ont jamais terminé le jeu. Ouais, maintenant j'ai compris. Mais je voulais dire en privé, ouais. Mais même dans le chat, l'autre fois, au premier live, on a blindé discuté et... Genre, sur toutes les personnes que je connais qui ont joué au jeu, j'ai l'impression qu'il y a quoi? Il y a une personne sur cinq qui a terminé le jeu. Vraiment, j'exagère pas. Quand tu vois ça, bon... J'espère que là, je vais pouvoir sauter, hein. Mais c'est dommage, j'aime bien le jeu, je l'aime bien de base. Pourquoi ça m'énerve autant, mais si... Parce qu'il y a trop de défauts et... Attends, il est hyper loin, là, il va se rapprocher? Ah, il faut que j'aille là où est le croco, bah ouais. Ils m'ont tous tiré dessus, hein. Heureusement qu'il bouge, hein. J'aurais été me plaindre, mais j'essaie d'apprécier le jeu, mais c'est compliqué quand le jeu te déçoit à ce point-là, tu vois. Parce que là, c'est trop stylé ce qu'on voit quand même. Normalement, sur papier, c'est génial quand même cette scène, tu vois. J'ai même plus envie de faire de photos. C'est 22h30 pour l'histoire principale. Ouais, mais bon. Ah, je me suis baladé pas mal, hein. Même les musiques, je trouve qu'elles sont pas assez présentes et tout. Et quoi, c'est tout? J'ouvre la carte maintenant? Ok. Ah, il faut que j'aille confirmer la quête à lui, putain. Tu vois, là, on a fait un camp de bandits avec ce connard. On a fait ce camp-là. Il s'est remis à son endroit. Au lieu de dans le camp, il avait disparu après le combat. Ou alors, je l'ai pas vu, je sais pas. Ir. Bon. Bah, super. Bah, YouTube, je vais appeler ça l'épisode de la haine. Maintenant, ce qu'on va aller faire, un truc que j'aime bien. Ah, non, on va peut-être... On va peut-être faire les quêtes de chasse, quand même. C'est quoi, YouTube? Non, tu restes avec nous, on va faire les quêtes de chasse, ici. J'aimerais bien faire ça, après. Le creuset, là. Ça me plaît. On va aller faire les quêtes de chasse. Et on va se TP, hein, j'imagine, hein. Je pourrais observer le paysage pendant 4 ans, mais... On va se TP. Je suis désolé, hein, je sais que depuis que je râle, il y a des gens qui ont dû quitter, évidemment, hein, forcément. Mais je sais pas faire semblant. Alors, point faible dans le menu, non? Ouais, mais même, je les ai regardés, je crois que les crocos, c'est le feu, puis il faut cibler de nouveau leur... bah, tout ce qui brille sur eux, quoi, mais ça change rien, c'est quand même un enfer. Je trouve. Mais il faut que je me reprenne, il faut juste que je sois fort pour les combats, hein. Je joue peut-être hyper mal, je pense que je joue hyper mal. Je pense vraiment que je joue pas bien. Comment je grimpe, là? Hop, ici. Un choix artistique, moi. Le jeu, clairement, des défauts, c'est sûr. Moi, il y a des trucs qui m'ont gonflé, mais j'aimais l'univers, c'était différent, l'histoire m'intriguait beaucoup. Mais en fait, ouais, l'histoire m'intrigue et l'univers me plaît. Ça, moi aussi, hein. Ça, moi aussi, vraiment. Mais ils ont choisi la facilité, quand même, sur l'open world, au final, hein. Tu sens que c'est du classique, classique, ouais, de 2015, plus ou moins, quoi. T'imagines, The Witcher est sorti 2 ans avant.
Il y a des humains là ? Oh putain ! Bon, comme ça on sait qu'ils explosent ces trucs, hein. Ouais, bah ils viennent de tuer des humains. Ah non, ils sont juste tombés par terre, ok. Bon, bah, petite sauvegarde ici. Et j'avoue que je galère même à gérer mon stuff, etc. Genre, tu vas dans le magasin, il y a juste plein d'armures dès le début du jeu. Dès le début du jeu, tu vas dans un magasin, tu as toutes ces armures. Juste, il y a toutes ces armures dès le début, bordel. Sérieux? Ils te lâchent tout ça dès le début du jeu et ils disent, bon, bah, maintenant tu te démerdes. Et tous les marchands vendent les mêmes objets. Les armes, ils me vendent celui-là, un arc de guerre. Alors que j'ai reçu... Je sais pas si je l'ai acheté, je crois pas. J'ai reçu celui-là au début. Attends. J'ai reçu sa version au-dessus, au début. L'arc de chasseur Karja. À quel moment je vais aller acheter des trucs ici en vert? Même en bleu? Sachant qu'ici, j'ai des trucs niveau mauve? Après, il faut les trucs un peu plus rares, mais quoique, cœur de charognard, quoi. Et donc, je sais pas, j'ai du mal à améliorer mon stuff, etc. Je loot, y a du loot partout, mon inventaire est tout le temps plein, et... Tu vois? Ouais, Natalia, bah je vais continuer pour l'histoire. Le problème, c'est que il faut que je devienne fort au jeu, quoi, si je veux avancer. Est-ce que je le mets en normal? T'as foiré ton coup avec Judy? Sérieux? C'est vrai? T'es sûr de ça? C'est relou, ça. Mais ouais, mais tu vois, Crow, la lance, je n'ai aucune idée de comment je peux l'améliorer. Je n'ai vu aucun marchand en vendre, vu qu'ils vendent la même chose. Je sais pas comment... Peut-être qu'il faut que ouais, je fasse des épreuves, hein, pour épreuve bataille, je peux pas faire, j'ai pas la bonne arme. Épreuve immobilisation. Tu vas devoir ligoter des étincelles pour cette épreuve. Il va te falloir un lance-corde et des munitions pour ça. Bon, bah écoute, et bataille ? Pour cette épreuve, tu dois... Mais il te faut d'abord une... Ok. Eh ben, il faut que j'achète un lance-corde. Bonjour. Lance-corde. Ça coûte que 75 éclats. Et celle au-dessus. Lance-câble, c'est la même chose, non? Non. Lance-corde Karja. 200 éclats de métal. Bon, on va faire ça. On va essayer d'aller farmer un petit peu. 700 éclats de métal. Ouais, c'est beaucoup 700. Hein. C'est beaucoup 700. Qu'est-ce que je fais? Je vais farmer un petit peu? Pour essayer d'avoir celui-là? Aucun intérêt d'aller chercher le truc nul. Je peux vendre aussi. En vrai, je peux vendre plein de trucs. J'ai toujours trop de trucs. Attends, je peux en vendre... Ah, je peux marquer plusieurs objets pour vendre. Vas-y, je vais un peu trier un petit peu ce que j'ai. Réceptacle métallique. Faut casser mon munition. Ouais, mais j'en vends, j'en ai de plein. Charognard, j'en ai deux. Hop, deux stacks. Brûlure de métal. Je sais que je peux faire des munitions avec ça, mais à un moment, je nettoie. Carabre pour souffler, étincelle. Bon. Ça, je vends. On les objets marqués. Voilà. Et j'ai 765 éclats. Donc, je peux l'acheter direct. Hop, c'est marni. Arme. Merde, je suis redescendu. Je suis remonté. C'est ça, hein. C'est ça. On va acheter ça. Pour confort, c'est toi qui... C'est quoi, ils sont trop relous, pas ça normal. C'est dommage de te gâcher l'expérience pour des combats trop relous. Bah ouais, c'est ça. Écoute, on va tester un petit peu. Je me reprends, je me rattrape. Je me rattrape, là, je me reprends, ok. On va se focus. On va essayer... Eh merde, je viens de quitter le marchand sans faire exprès. On va essayer... d'apprendre à bien combattre. D'utiliser tout ce qu'on a en notre possession... pour fighter comme il le faut. Et on va éclater ces mobs. Et on va tenter de rester en difficile. On va prendre sur soi, vraiment. Prendre sur soi. On va faire les petites quêtes, là, de chasse. Ça va nous entraîner. On va essayer de bien viser. On va essayer d'être efficace. Et il faut que je m'améliore. Hein? Ok? Wow. 1, 2, 3 soleil. Ouais, ouais. Ouais, je me doute, putain. Mais c'est ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'on va, on va faire ça. Lance-cap de l'ombre. J'achète. Boom. Je sais pas comment ça fonctionne. On verra bien. Du coup, j'ai déjà plus d'emplacement ici.
Donc, je sais pas, moi, le crotal, il dégage. Voilà. Je peux l'améliorer. Améliorons-le. Petit anatme. Alors. Cette arme crée des pièges qui se déclenchent lorsque le fil de détente reliant deux points d'ancrage est brisé. Utile pour les trajets et patrouilles, hein. Mais ça les bloque, on est d'accord. C'est ça, hein. Non, lance-corps. Non, je me suis trompé. Non, je crois que je me suis trompé. Regardez ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté le bon truc. Je suis vraiment la pire des sous-merdes, hein. J'ai acheté un lance-câble. C'est un lance-corde qu'il me faut. Regardez, j'en ai déjà un lance-câble. Lunette activée. Ouais, bah apparemment, le cerveau, il est pas activé. Putain, le boulet. Quoi, je dois charger ma game? Je suis vraiment le pire. Je suis le pire. Sauvegarder à 50, il y a 6 minutes. Vas-y. Je suis vraiment le pire. J'avais la thune. Ah. J'en peux plus. Je venais de vous faire un speech en plus. On va se battre. On va réussir. On va apprendre à jouer. On va éclater tout le monde. Et puis, fail. Je suis vraiment le pire de tous. C'est scandaleux. Bon, du coup, là, nouveau, j'ai plus de thune. On va vendre des choses. Impression déjà vu. Alors, marqué pour vendre. Marqué pour vendre. C'est aussi. Ça aussi. Vers du désert. Ça, on vend. Ça, on vend. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Oh, j'ai une tresse lumineuse. Je savais même pas que j'en avais une. Cool, j'en ai looté une plus tôt. Je savais même pas. Givre lymphe. Hop, ça dégage. Et avec ça, je me fais combien? 458. Ok, j'avais vendu d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai bien pu vendre d'autre? Oh, je suis le pire. Ça va aller, Serpoletta, ça va aller, tu vas voir. Ça va bien se passer. Merci, gros cœur sur vous. Jouez bien, profitez bien. Et je vous dis à bientôt. Hein. Serpoletta Nainzik. Brûlure de métal. Ah, c'est ça que j'ai... Ça a dû coûter cher. Plus 808. Oh, putain. Ah non, j'ai 808. Ok, c'est bon. Merde, attends. Je vais acheter. Merci, hein, Serpoletta. Bye bye, hein. Bon, maintenant, on fait gaffe. Lance-câble, non. Ah, mais il n'y a pas le lance-corde en mauve, en fait. Lance-corde Karja. Ah, c'est celui-là. 200. Attends, mais j'avais pas... Ah, il n'y a pas de lance-corde en mauve. C'est nul. Donc, je suis obligé d'acheter celui-là, qui coûte, au final, 200. Bon. Ok. Quand je l'ai platiné, j'avais aussi l'impression de mal combattre. J'ai compris à un moment que la clé dans les combats hard, c'est la patience, l'esquive, la rapidité, le stuff, composant compris. Ouais, mais je sais que je joue pas beaucoup au jeu. Je joue pas assez bien au jeu. Je vais trop vite. Bobine maniement. Ouh, 57. Waouh. 57%, ce sera pour un arc, ça. Après, je peux ajouter un petit maniement ici. 13%. Déchireux, ça sert à rien. Maniement pour avoir plus facile, vas-y, c'est gratuit, hop. Bon, maintenant on a le lance-câble. Je vais attendre d'être dans ça marche comment pour tirer. Est-ce qu'il me donne une info sur le truc? Cette arme est à faible cadence de tir, peut immobiliser temporairement les machines en les entravant au sol. Quand il nécessite davantage de cordes. À mon avis, je dois les planter, je dois tirer dessus. Ensuite, planter la corde dans le sol pour les bloquer. Je crois que c'est ça que je dois faire. Allez. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Quelle épreuve je peux te proposer? La prochaine. Immobilisation, pour tester. Tu vas devoir me prouver que tu peux piéger des étincelles. Attire-les vers toi, puis ligote-les avant la fin du temps. Ok. C'est tout? Bon choix. Descends avec une corde et je lance le compteur. Alors, elles sont les étincelles? Ça, c'est pas les étincelles, ça. Hein. C'est un piétineur. Les étincelles. Ah, c'est ça. C'est un sanglier. Oh. Ah oui, je peux aller très loin pour la zone de chasse, en fait. Là-bas, c'est une zone de chasse aussi, là-bas. Attends un peu. Ah non, non, non. Ah non, oui, c'est tout ça. Attends. Carnet. C'est quoi les étincelles? C'est pas ce que je pense? Oiseau tempête. Ça, c'est le grand, ça? Les petits oiseaux, ils s'appellent comment? Ah, c'est les étincelles! Oh, quel enfer! C'est eux, les étincelles? Ah bah merde, je savais pas.
Vous l'avez déjà compris hein, que c'était mes Pokémon préférés dans le jeu, les étincelles. J'ai 2 minutes, je dois en immobiliser combien? 3? Enfin, coup critique, oh, ok, immobilisé. Bon, on a un là-bas. Alors, comment ça marche? Tu te rapproches de moi? Hein? Oh ma vie! Oh ma vie! On est obligé de le tuer. Ah putain, la glace. J'ai des potions, j'ai acheté des potions. Hein. Ok. Allez, viens. Oh non! Ok. Ok, il en faut 2 d'office. Coup critique là. Mais non. Mais non le coup critique. Et je suis dans la neige et je suis occupé de mourir. Potion. Encore potion. Bon, il faut que je le tue lui. Ah, putain, je crois qu'il était tombé. Oh bah il est tombé, il est mort. Ok, y'a plus que toi là, viens. Ah, on a cancel. Je tire mal. Je tire ultra mal. Ok, hein. Ah, la putain de glace, là. Ah, mais j'ai déjà fini. Je devais pas en faire 3. Ah mais je suis sûr, Shinra, je te fais confiance. En fait, je croyais que je devais en faire 3, j'en ai fait que 2. Bon. Trop lent. Ah, j'ai raté. Ah, j'ai vraiment raté. J'ai raté l'épreuve, là. Attends, je pensais que j'étais hyper large. Ah bon. Ah ben, je suis dégoûté. Parce que là j'ai plus de potions, je dois en racheter. Putain, sérieux, j'ai raté. Et voilà. Bah super. Alors des potions s'il vous plaît. Hein? Bon, je suis vraiment dégoûté. Je suis tellement dégoûté. Viens, je recommence. Très bien. Je peux annuler ça. Qu'est-ce que tu veux faire? On va recommencer alors. Pour cette épreuve. Ah non, c'est un piétineur. Attends. Retour. Tu vas devoir me... Oui, j'ai combien de temps là? Je lancerai le compteur quand tu descendras par la corde. Il me semblait que j'avais blindé de temps. Bon, il y a lui qui va arriver, lui, celui à droite, il va arriver, non? Non, je voulais tirer une putain de flèche. Il est sérieux? Quoi, tu vas me dire que là ils vont pas venir? Mais gros, vous me voyez à 4 km d'habitude, viens. Ah c'est bon, ils m'ont capté. Oh une merde. Et je suis trop une merde et je perds blindé de vie. Mais je me cours de touche en plus. J'aurais été joué. Bon là je me suis mis un mauvais spot. Faut que je recommence. Vraiment que je recommence.
Dernière sauvegarde. Je peux pas juste recommencer là, juste recommencer le truc. Je peux pas ça. Faut que j'aille dans la plaine quoi, mais il y a les piétineurs et tantôt ils chargeaient à fond. Oui, je dis beaucoup de gros mots là. C'est pas ma faute, c'est le jeu. Vas-y, laissez-moi rentrer. Bien, j'annule, je vais recommencer. Je vais recommencer, monsieur. Je peux recommencer ? Allez, allez. Très bien. Tu vas devoir me... Bien. Bien. Tu me vois pas là? Tu me vois pas? Oh merde, c'est un grand là. Sérieux? Bouge, bouge. J'ai 40 secondes. Sérieux? Ouais, putain. Je rage quitte le live, les amis. Hein. Je rage quitte le live. Hein. Je vraiment rage quitte le live, en fait. Hein. C'est la base du jeu, chasser des mobs, et c'est pas, et ça me saoule. Hmm. Je me pose des questions, hein. Je me pose des questions. Un live comme ça, comme aujourd'hui, une session comme aujourd'hui, le jeu qui me fait pas kiffer, quoi, depuis le début. Je fais quoi, moi? Je le revends, là? Hein? Qu'est-ce que je fais? Je devrais pas utiliser mes armes ici. Ce serait de la triche. Je sais pas quoi faire. On va aller vers la quête principale, mais bon, vu que j'améliore pas mon stuff ni rien, je vais me faire défoncer à chaque fois que j'avance dans le jeu. Vous avez vu comment je fais ça? Je fais pas exprès, hein, d'un coup être bien, d'un coup être saoulé. Je fais pas exprès, hein, j'essaye, hein. Mais bordel, quoi. Ça ressemble à rien, le combat. C'est les pires mobs du jeu, ça. C'est les pires mobs du jeu. Je vais utiliser mes armes ici. Ce serait de la triche. Je sais pas. On va te changer les idées, dormir. Ouais. Non, si je me barre maintenant vraiment du stream, plus jamais je relance le jeu. Si là je coupe, plus jamais je relance le jeu. Donc non, je peux pas abandonner, je peux pas arrêter quand je suis vénère, j'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire ça. De toute façon, vu que c'est de la merde, on va avancer vers la quête principale. YouTube, salut, hein. C'est l'épisode de la rage, hein. Je l'appelle plus comme ça, sur YouTube.